Les chauves-souris, il est vrai qu'il y a encore beaucoup de mystères qui planent autour de la chauve-souris. C'est pas un animal qui, au premier abord, semble sympathique. Les gens en ont souvent peur, ils trouvent ça pas joli, ils ont peur que ça se prenne dans les cheveux, que ça suce le sang, alors qu'en Europe, on n'a aucune espèce de vampire, elles sont toutes insectivores. Loin de ces clichés, l'évolution de cette espèce intéresse les scientifiques. Chaque mois, une équipe de chercheurs de l'Université de Lausanne se rend dans d'anciennes mines désaffectées au pied du Jura. Le but, capturer des chauves-souris pour les recenser et effectuer des prélèvements. Sur ce site, en général, on va rester toute la nuit. Et c'est vrai qu'il y a des fois où on est arrivé jusqu'à capturer plus de 400 individus en une seule soirée, donc c'est assez incroyable. Elle n'a pas de parasites, hein? Non, toute propre. Elle est en pleine santé. Et ce recensement nous permet aussi justement de redécouvrir des espèces qu'on pensait disparues de ce site, comme le grand rhinolœuf qui a été redécouvert récemment. Pas de parasites. Pour mes recherches, ce qui va m'intéresser, c'est donc les parasites. Donc on va faire des prélèvements de sang, de salive, mais aussi de parasites que l'on trouve sur les ailes des chauves-souris, qui sont des acariens. Donc les acariens, c'est des petites bêtes que l'on trouve par exemple aussi dans les moquettes ou sur la peau de l'homme. Petit prélèvement de salive. On va regarder les parasites internes, comme les virus. Retour au laboratoire pour analyser les parasites prélevés sur le terrain. L'occasion d'observer leur développement. Il va y avoir ce qu'on appelle une course à l'armement entre le parasite et la chauve-souris. Donc le parasite qui va continuellement développer des stratégies pour être de plus en plus adapté à sa chauve-souris et pouvoir rester et continuer à la parasiter. Et de son côté, la chauve-souris, elle, va aussi s'adapter et trouver des mécanismes pour se défendre de mieux en mieux contre le parasite. L'étude de ces parasites va donc permettre de mieux comprendre l'évolution des chauves-souris. Voilà la petite dernière, dans le filet. Alors moi, ce qui me fascine chez les chauves-souris, c'est le peu d'informations, on va dire, qu'on a actuellement sur elles. Elles ont développé des adaptations pour vivre dans leur milieu assez incroyable, donc pour vivre déjà la tête en bas, pour voler aussi. C'est un des seuls mammifères volants. Donc c'est vraiment des caractéristiques qui les rendent vraiment attirantes pour les étudier.